Et bonjour à toutes et tous YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui non pas pour une guidance, exceptionnellement je prends le temps de vous parler ce matin pour vous faire une petite vidéo, pour vous faire un point information, prendre le temps, un temps quand même pas trop long mais un vrai temps pour vous parler plus que ce que je ne le fais d'habitude au début de chacune de mes vidéos, au début de chacune de mes guidances, ou comme ça je prends un petit temps pour vous repositionner toutes les informations, vous annoncer comme ça les futurs rendez-vous que je vous donne. Mais suite à pas mal de messages que j'ai reçus, je me suis dit qu'en fait je pense que c'est assez important pour vous et c'est bien normal que je vous fasse un vrai point sur tout ce que je suis en train de mettre en place, notamment au niveau collectif, sur les soins énergétiques collectifs et sur des enseignements collectifs. Voilà, parce que je vous en fais l'annonce sur mes réseaux, sur YouTube et sur Instagram, mais je pense que c'est important pour pas mal d'entre vous, et notamment le rendez-vous qu'on a demain soir, mardi 22 octobre, en Zoom pour une masterclass. Alors, là, je vous parle bien des rendez-vous en collectif. Je vous parle pas des rendez-vous individuels. Voilà, là, pour les rendez-vous individuels, vous commencez à connaître la mécanique et la petite adresse. Vous m'écrivez rdv.baptismelatière@gmail.com et puis vous pouvez vous renseigner sur mes modalités de consultation et prendre rendez-vous directement par là. Voilà, ça c'est clair. Mais du coup, à partir de demain soir, vous savez, je vais lancer des masterclass. Je vais lancer plusieurs choses en fait. Il y a les rendez-vous de nouvelle lune. Vous l'avez eu la dernière fois pour le 2 octobre. Et puis ça, ce sera un rendez-vous fixe. Ce sera à chaque nouvelle lune. En sachant que j'ai retenu aussi un petit peu vos commentaires et vos retours par rapport à ces nouvelles lunes. Et pour les prochaines fois, je vous donnerai plus que... Vous aurez un soin énergétique uniquement à chaque nouvelle lune. Je pense que c'est bien de séparer en fait les enseignements des soins. Parce que pour beaucoup d'entre vous, c'était pas évident de se dire bah, « je voudrais recevoir le soin ». Et en même temps, si je suis pas disponible le jour J pour pouvoir vous écouter en Zoom, bah, c'est dommage. Parce qu'en même temps, c'est toujours profitable d'écouter les enseignements qui vont avec, etc. Donc, pour que ce soit beaucoup plus simple, aux nouvelles lunes, je vous annoncerai à chaque fois la thématique du soin énergétique qui sera toujours en lien avec l'énergie du cycle lunaire qui s'ouvrira. Comme ça, pour bien être aligné, comme ça, et recevoir l'énergie qu'il faut, vous placer comme ça sur le bon rail énergétique, sur le bon rail quantique pour pouvoir traverser ce que le cycle lunaire vous proposera de traverser. Et du coup, en fonction de si ça vous parle, vous vous inscrirez via les modalités que j'annoncerai qui seront toujours les mêmes. Donc ça, ce sera pour les nouvelles lunes. Du coup, à côté de ça, les enseignements. Il y a en cours de création, un site internet qui est en train d'être en gestation, en création. Je n'ai pas de site internet comme vous le savez, et sur lequel vous pourrez retrouver pas mal d'infos et surtout sur lequel je vous proposerai des enseignements que vous pourrez télécharger, des enseignements assez techniques, assez poussés. Enfin, quand je vous dis ça, rassurez-vous, hein, qui resteront très accessibles, qui vous prendra chacun par la main suivant là où vous en êtes. Et là, vous serez non pas en direct, hein, du coup, vous serez en toute autonomie pour les télécharger, les suivre, les refaire autant que vous voulez. Ça, ce sera à autre chose et je vous annoncerai à chaque fois quand j'aurai lancé un nouveau programme, une nouvelle conférence que vous pourrez aller voir en ligne. Mais ça, c'est en cours de création. En attendant, via les réseaux, je lance des masterclass. C'est notamment notre premier rendez-vous demain. Ça, c'est pas un rendez-vous fixe. C'est un rendez-vous spontané, comme je l'ai dit, parce que ça jaillira spontanément de l'esprit de votre serviteur, avec des thématiques à chaque fois où l'idée, c'est que je puisse prendre des thématiques assez larges, assez accessibles, et que je vous emmène comme ça vers de la connaissance un peu plus poussée, un peu plus approfondie. Demain, par exemple, on a un rendez-vous pour parler des guides. Parce qu'on pense très souvent qu'on connaît les guides, mais en fait, eux, ils connaissent surtout nos vies, mais nous, on connaît très très peu la leur. Donc, une belle masterclass autour des guides qui nous accompagnent dans l'invisible. Les différentes strates de guides qui nous accompagnent dans l'invisible. Qui sont-ils? À quoi ressemblent-ils? Comment ils font pour nous accompagner? Concrètement, comment ils font pour nous envoyer des messages? Comment ils font pour nous envoyer des synchronicités? Comment ils font pour travailler auprès de nous et interagir dans notre vie? De quelle manière et dans quelle mesure? Pourquoi sont-ils guides? Quelle est leur vie, leur quotidien, leurs histoires personnelles, leur formation,
leurs origines? Est-ce qu'ils changent suivant nos vies? Est-ce qu'on les perd? Est-ce qu'on en gagne? Leur évolution aussi dans leur accompagnement depuis l'origine de l'humanité et puis aujourd'hui et puis pour la suite. Quel est le lien? Pourquoi sont-ils nos guides? Quel est le lien qu'on entretient avec eux? Comment ils se répartissent entre nos guides individuels et les guides collectifs? Comment sont-ils comme ça sur certaines strates? Quelle est la différence qu'on peut faire avec les anges ou les archanges, par exemple? Quelle est la différence qu'on peut faire avec l'aide que peuvent nous apporter nos défunts? Est-ce qu'ils nous suivent comme ça sur plusieurs vies? Est-ce que nous-mêmes, on peut être des guides dans l'invisible? Est-ce que nous-mêmes, dans l'entre-deux-vies, on peut être guide? Voyez, et encore, comment on peut mieux, quelles sont les règles d'or pour pouvoir mieux les recevoir, mieux les contacter? Quelle est la relation la plus juste à entretenir avec eux? Voyez, on va vraiment aller dépoussiérer, aller beaucoup plus loin que ce que vous pouvez trouver sur d'autres réseaux ou dans des livres. Le but à chaque fois de ces masterclass. Alors là, on a pris un sujet qui peut être assez large. Parfois, on ira sur un peu plus précis, mais à chaque fois, c'est d'aller plus loin. Et surtout, moi, j'aimerais qu'à chaque fois ces masterclass donnent la possibilité qu'on soit un peu rock'n'roll, hein, qu'on aille taper du pied dans la fourmilière, qu'on ose aborder des thématiques et des questions qu'on ne se poserait pas d'habitude. Par exemple, est-ce que vos guides, ils ont une vie amoureuse? Et si oui, dans quelle mesure, laquelle, etc. C'est une vraie question finalement qu'on peut se poser. Et en quoi parfois ça interagit avec notre vie à nous aussi? Je vous lance des pistes comme ça, voyez. Mais l'idée, c'est vraiment, vraiment d'aller plus loin et d'oser beaucoup de questions. Donc à chaque fois dans ces masterclass, c'est je vous fais un enseignement. Et puis ensuite, le but surtout, c'est que vous puissiez me poser des questions, d'accord? Alors, vous n'êtes pas obligé de brancher vos caméras, vos micros sont coupés, donc ne vous inquiétez pas. Hein, vous n'êtes pas obligé de vous faire bouer, de vous mettre en stress. On passe pas au tableau devant les autres, hein, on n'est pas à l'école. Mais vraiment, l'idée, c'est on se donne rendez-vous comme si on était ensemble dans un lieu physique, sauf qu'on est ensemble sur Zoom. Vous êtes tranquillement installé chez vous. Et puis, je vous fais une dissertation sur la thématique de la soirée, puis ensuite, vraiment, arrivez avec votre matière vivante, arrivez avec vos questions, ou celles qui vont se suggérer à vous durant la première partie. Et le but, comme ça, c'est que vous puissiez me poser toutes vos questions, ainsi qu'à mes guides, et qu'on puisse vous répondre, et que vous puissiez vous enrichir les uns les autres, parce que très souvent, on n'ose pas poser telle ou telle question parce qu'on se dit « Ah, je sais pas », etc. Et en fait, on a bien fait de la poser parce qu'elle éclaire énormément celui d'à côté qui se dit « Ah, merci d'avoir posé cette question ». Ou inversement, on se dit « Ah, ça, je pense que j'ai à peu près la réponse », et puis en fait, la réponse qui va être donnée, elle va nous enrichir beaucoup plus qu'on aurait pu le penser, et ça va être salvateur, ça va être bénéfique. Donc vraiment, c'est ça aussi le but de ces masterclass. Et puis pour moi, c'est aussi une possibilité pour vous rencontrer, pour échanger, pour vous accompagner, pour vous donner beaucoup plus de clés dans votre quotidien. Donc voilà, je varierai vraiment les thématiques à chaque fois. Et ça, ce ne sera pas un rendez-vous fixe, ce sera un rendez-vous plus spontané. D'accord? Donc, vous avez toutes les infos pour vous inscrire qui est dans le post que j'ai mis sur Instagram. Et sur YouTube, vous allez sur ma chaîne, vous allez dans la rubrique communauté au lieu d'aller dans la rubrique vidéo. Et là, vous avez le post. D'accord? Avec les thématiques. Il y aura aussi toute une partie dans la masterclass, les messages de leur part dans la période actuelle ou pour vous, hein, pour le groupe qui sera là. Hein. Donc voilà, il y aura aussi beaucoup de spontanéité également dans la soirée, puisque la soirée vous ressemblera également et selon les attentes du groupe. Comment vous inscrire? Vous m'envoyez un petit mail à l'adresse habituelle rdv.baptismaletti@gmail.com. C'est important que j'ai votre adresse mail parce que c'est ça qui va me permettre de vous renvoyer le lien Zoom. Je clôture les inscriptions en fin d'après-midi mardi 22 octobre. À la suite de ça, je vous envoie le lien Zoom pour vous connecter à la soirée. Et puis voilà, l'idée, le temps, on va pas dépasser 1h30, vous voyez, parce qu'il s'agit que ça reste digeste, ça reste agréable. On est en semaine, vous pouvez être fatigué, vous pouvez avoir besoin d'aller vous reposer, puis c'est normal. Après, trop d'informations tue la qualité de l'information. Voilà, donc toutes les modalités d'inscription, vous m'envoyez un petit mail et puis voilà. Mais enfin, franchement, il y a rien de compliqué. Et puis on se retrouvera ensuite pour la nouvelle lune. Là, pareil, je vous annoncerai à nouveau sur les réseaux. Donc vous allez voir, hein, vous mettez la cloche, vous vous abonnez sur mes réseaux et comme ça vous loupez pas les informations avec la thématique du soin. Et puis si ça vous parle, si vous en ressentez le besoin, si ça vous appelle, eh bien voilà. À chaque fois, je le précise, les soins que je vous propose pour les nouvelles lunes, ce sont des soins vraiment qui peuvent se compléter
avec tout ce que vous pouvez faire par ailleurs dans votre vie personnelle ou tout autre, voilà, tout ce que vous pouvez faire par ailleurs, d'accord ? Ça, c'est très important aussi de le préciser, ça se complète à chaque fois. Et puis, bien sûr, quand on parle de soins énergétiques, ça ne remplace pas un avis ou un acte médical, d'accord ? Soyons très clairs, il faut que ce soit dit aussi, bien sûr. Je pense que c'était important de vous le repréciser. Avec l'exemple de la masterclass de demain, ça vous donne un petit peu comme ça le cadre de ces soirées, l'intérêt aussi de venir à ces soirées, parce que vraiment, vous pouvez arriver avec toutes vos questions. Et moi, le but, c'est vraiment qu'on échange, parce que par exemple, sur le format de ce que vous pourrez avoir prochainement sur mon site internet, là, vous êtes en toute autonomie avec la vidéo, avec l'enseignement. Ça ne veut pas dire qu'après, vous ne pouvez pas me faire un petit retour sur quelque chose qui vous questionnerait. Mais vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas sur le même type de format, d'accord ? Donc comme ça, ça vous distingue comme ça les différents formats, parce que le but, c'est que ça puisse répondre à vos problématiques et que je puisse toujours plus vous accompagner sur l'individuel, sur du collectif, via les guidances en accès libre que vous avez sur Instagram et sur YouTube, et que ça soit extrêmement complet. Je suis ravi de vous proposer tous ces nouveaux formats. Je suis ravi de vous rencontrer. Je suis ravi de voir certains d'entre vous fidèles aux événements, fidèles au poste, fidèles à mon travail, sensibles à mon travail, et je vous en remercie du fond du cœur. Je suis à chaque fois très en joie d'en rencontrer d'autres tous les jours en consultation individuelle ou via les événements collectifs, et puis après vous venez en privé, enfin bref, c'est toujours très très chaleureux. En tous les cas, voilà, donc je voulais bien vous le repréciser. Et je pense qu'on a fait le tour. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très vite. À demain soir pour ceux qui vont s'inscrire à la masterclass, et puis sinon peut-être aux prochaines. Et en tous les cas, prenez soin de vous, et je vous retrouve là aujourd'hui sur Instagram pour les énergies de la semaine déjà, et puis je vous souhaite une très très belle semaine, et prenez vraiment soin de vous en ce moment, parce que la période, elle est riche, elle est dense, elle est complexe, elle permet de... Il y a des vraies clés d'évolution à aller chercher sur la période actuelle, vraiment. Donc, aidez-vous des guidances. Vous avez vu, je vous en ai fait une aussi, suivant votre élément auquel est rattaché votre signe solaire en astrologie. Donc ça peut être pas mal aussi pour faire un point, pour bien ressentir les choses. Mais en tous les cas, voilà. Bon, je vous laisse ici. Vous savez, j'ai la chat, je suis bavard, je suis ascendant balance. Donc après, on est parti. Moi, je peux rester toute la sainte journée comme ça. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à très vite. Et je vous embrasse.